L'association Équerre, dans le pays Bigoudin, à Pont-l'Abbé, a proposé à la Biocoop Graines de Bio, qui est basée à Pont-l'Abbé, de nous mettre à disposition son toit pour faire un projet de production d'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire un projet de production électrique solaire sur le toit de la Biocoop. Donc l'hypothèse, c'est que l'électricité qui sera produite sera vendue à la Biocoop et consommée par la Biocoop. Et donc on est tout un petit groupe à Équerre, d'adhérents d'Équerre, à travailler. D'ailleurs, bon, là ce soir, on a une réunion de certains d'entre nous. On est une quinzaine à peu près dans le groupe, à vraiment travailler sur les valeurs, les objectifs de cette société. Et donc on est accompagné dans cette démarche par le réseau Taranis, qui est un réseau donc breton. Et au niveau national, on est accompagné également par le fonds d'investissement et l'association Énergie Partagée, qui sont là pour justement faciliter le développement des énergies renouvelables. Et donc dès que les statuts de la société seront créés, écrits, on s'y attelle, on lancera une information publique. Il y a déjà eu une réunion publique le 2 mai 2017, pour informer le public qui est venu nombreux s'informer. Et donc quand la société sera créée, tous les souscripteurs qui souhaitent soutenir ce projet pourront venir acheter des parts et deviendront coproducteurs d'énergie renouvelable sur le pays Bigoudin. C'est le premier projet de ce genre sur le territoire ouest cornouaille. Et donc c'est un tout petit premier pas, mais qui évidemment en attendra beaucoup d'autres derrière, puisque l'idée c'est vraiment de produire localement en circuit court. Ben, moi je trouve le projet super bien, le fait qu'on puisse participer à ce genre de projet et à des sommes tout à fait abordables, et on peut aller au-delà même. Je trouve aussi impressionnant que dans une première réunion il y ait autant de personnes, et je trouve ça motivant même, ça motive, et on voit que ce genre de projet pourra se développer plus vite que certains qui ont déjà été réalisés auparavant. Moi je trouve ça super au niveau de l'écologie de pouvoir investir comme ça pour avoir de l'énergie renouvelable et en finir avec le nucléaire. Je trouve ça vraiment super, et de pouvoir y participer nous en tant que jeunes, et puis même voilà, en tant que personne un peu plus âgée, et même avec une petite somme, et ben, on peut participer à ça, et voilà, c'est top, c'est super. En fait, c'est une amie qui m'a donné l'invitation de cette réunion. Et nous-mêmes, on habite dans la commune, et on a déjà des plaques solaires sur la maison. Notre maison est en bois plein et on a des plaques solaires. Et en fait, déjà, nous-mêmes, on produit l'électricité qu'on consomme. Mais malheureusement, on la revend. Et pour le moment, on la revend à EDF. Donc c'est un peu dommage, quoi. Et donc là, ça m'a intéressé de voir un projet collectif, et on a envie, familialement, on a envie aussi d'y participer. Donc j'espère que ça va se faire. Et puis j'étais contente de voir que le maire de Pont-l'Abbé disait qu'il avait déjà des idées de faire aussi des installations. Voilà.